Jean-Claude, là, je suis venu à l'appel sur WhatsApp moi matin. Je suis venu à une famille qui m'a dit ça. Les gens qui ont WhatsApp, ils ont un problème avec un paquet de publicité qu'ils ont reçu sur WhatsApp. Ils ont connu comment éliminer la publicité. Pour faire ça, c'est rapide. Nous, avant que nous entrions dans la vidéo, on a pris un petit temps pour nous voir une seconde pour nous saluer. Nous saluons tous les commentaires noirs qui ont quitté un commentaire à ma vidéo. Nous nous saluons. Nous saluons tous nos voix abonnés, tous les anciens abonnés noirs. Et puis, nous avons pris une vidéo à côté. Pas oublier que nous avons un store sur la chaîne noire, nous faisons activer ou bien une boutique quelconque capable de visiter nos boutiques. Qui sont pensés de ça? Ok? Ça va arrêter à notre vidéo à côté. Pour faire ça, nous allons aller sur paramètres. Nous allons aller sur paramètres avec vous pour résoudre le problème de la publicité sur WhatsApp. Ou sinon sur toute application tout, ok, on a balayé correctement pour toute application. Là, il y a ce paramètre là comme ça. Là, il y a ce paramètre là, si que le téléphone n'a pas lancé quelque Samsung quelque, ou bien on a le marqué connexion. Pas bien marqué connexion. Moi, je fais le son sur moto là, on a marqué réseau internet, ok, réseau internet. Ou même bien pour la marqué connexion, mais c'est tout le même principe là, et ça que je vais occuper de faire sur moto là. Pas ok tout, souvent je viens réseau et internet, ou même pour la bien connexion. On va cliquer sur connexion. Et puis là, il y a descendre en bas net là. On va aller à côté de marqué DNS privé. On va cliquer sur DNS privé. DNS privé. On va cliquer sur là. Pour faire ça, on va finir automatiquement. On va cliquer sur la troisième option en bas là. On va cliquer sur la troisième option pour nous mettre sur DNS. On va cliquer sur la troisième option. Et puis là, on va finir sur la troisième option. Et puis on va cliquer là. On va écrire mot ça. On va écrire dns.adcom.com. On va écrire mot ça. Et puis on va cliquer là sur enregistrer. On va cliquer ça sur enregistrer. Ok, ciao, ciao, à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne pas rater la prochaine vidéo. Merci. Merci, restez à l'écoute.